Salut tout le monde et bienvenue pour mon premier let's play, je suis Valkyrie, bienvenue sur ma chaîne et on va commencer cette chaîne en beauté avec un Nuzlocke Challenge sur Pokémon Emerald sur GBA, donc Game Boy Advance. J'utilise actuellement un émulateur sur Home Station, normal, j'ai déjà fait les options et on va pouvoir tout de suite lancer le jeu. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde de Pokémon. Je m'appelle Seiko, cette gecko. Mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous ne réussissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Ah, un garçon ou une fille? Qu'est-ce que ça donne, une fille? On va partir sur un garçon de toute façon. Très bien, comment t'appelles-tu? Je m'appelle, on va pas changer, je vais m'appeler Valkyrie. Je suis sur clavier parce que j'ai pas le bon adaptateur pour ma manette d'Xbox One et j'ai pas de vieille manette. Donc on se débrouille avec un clavier, c'est pas super évident. Valkyrie, bon tant pis, on va mettre un seul I. Valkyrie. Valkyrie. Parfait. Tu t'appelles Valkyrie? Oui. Ah, mais c'est vrai! Tu es Valkyrie, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol, là où j'habite. Je m'en souviens maintenant. Ah ouais. Bon, comment te sens-tu? Bah ça va, écoute, moi je me sens bien. Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon, où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. Oui. Et on se retrouve dans un putain de camion de déménagement. Genre comme un meuble. Je suis considéré comme un meuble par ma mère apparemment, ça fait plaisir. La famille ça a toujours été important de façon dans Pokémon. Puisqu'on est toujours très proche de notre mère, on la voit à peu près 10 minutes dans le jeu. Valkyrie, on est là chouchou. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion. Ouais, tu pouvais pas y penser avant ça. De déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Et tu as ta propre chambre Valkyrie, allons à l'intérieur. Ouais. Alors Valkyrie, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménageurs font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. C'est des femmes de ménage. Valkyrie, ta chambre est à l'étage. Va voir à quoi elle ressemble, mon chou. Papa a acheté une nouvelle horloge pour fêter notre déménagement. N'oublie pas de la mettre à l'heure. Bon bah là on va monter. Ce serait bien que j'explique aussi le système de Nuzlocke Challenge. Je vais l'expliquer maintenant pendant qu'on a un temps mort. Alors en fait, de base, Pokémon Emerald, j'y ai jamais touché. J'avais la GBA, c'était ma première console quand j'étais petit. J'ai mis du temps à l'avoir, je l'avais quand j'avais 7 ans. J'ai jamais touché à Emerald par contre. Et un Nuzlocke Challenge, tout simplement. C'est pas très compliqué, hein. C'est une fois qu'on a un Pokémon, s'il est KO, c'est comme s'il était mort dans la vraie vie en fait. C'est un concept qui a déjà été beaucoup repris, qui est souvent vu dans les creepypasta Pokémon aussi. Mais c'est pas compliqué, donc il faut juste surtout très vraiment faire attention, parce que suffit que le Pokémon soit KO et c'est fini. Donc faire gaffe, surtout au début, le coup critique te met bien dans le mal. Et on est obligé de le laisser dans le PC et de plus jamais le prendre. De plus, on peut capturer un seul Pokémon par zone, donc par route, genre route 1, route 2, route 66, etc. Et si on capture pas le tout premier sur lequel on est tombé, on peut pas capturer le reste. Donc c'est assez compliqué, ça donne du piment, le Nuzlocke Challenge. Et de plus, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est, je me suis perdu. Très bien. Ok. Bah, c'est tout en fait. Je crois que c'est tout, je sais pas pourquoi j'invente plein de trucs encore. L'horloge est arrêtée, il faudrait mieux la mettre à l'heure. Alors chez moi il est 8h42. On va passer à 8h42. 8h42 PM. Allez. 6, 7. Oula, vous êtes con. 8, c'est là-bas.
8h42 donc. Mais finalement j'étais pas loin. Est-ce la bonne heure? Oui. Valkyrie, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont aussi fini de tout mettre en place en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Bah ouais, enfin elles sont là quoi. Valkyrie ouvre le cahier. Règle numéro 1, ouvrez le menu en appuyant sur Start. Wow, sauvegarder en choisissant Sauver. D'accord. Les pages suivantes sont vierges. Ouf, donc le mec a quand même écrit ça dans sa chambre, genre... D'accord. C'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance est brochée dessus et sert de manette. D'accord, donc Nintendo qui a toujours trouvé le moyen de se faire de la pub dans n'importe lequel de ses jeux. Oh mon dieu! Oh Valkyrie, vite, viens voir! Ouais. Regarde, c'est la reine de Clémentiville. Bah, c'est nul comme... On va peut-être voir papa. Ce reportage vous a été présenté devant la reine de Clémentie. Oh, c'est terminé. Ils ont sûrement interviewé papa, mais on l'a raté. Dommage. Ah tiens, l'un des amis de papa vit ici. Il s'appelle Prof Seco. C'est notre voisin. Tu pourrais aller lui dire bonjour et te présenter. Bah, je lui ai dit bonjour en fait avant, mais bon, je n'existais pas encore, tu vois. Normal. Bon bah j'y vais. Hein. Oh, salut le gros. Si tu utilises un PC, tu peux stocker tes objets et des Pokémon. Le pouvoir de la science est incroyable. C'est vrai que t'as une bonne tête de geek. Salut la petite fille ou petit garçon. Le prof Seco passe des journées entières dans son labo à étudier et tout d'un coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand est-ce que le prof Seco arrive à passer du temps chez lui? Bien, jamais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Laboratoire Pokémon du prof Seco. Non mais... Non. Je me fais pas avoir, mon monsieur. Ding. Oui. Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Valkyrie. Nos maisons sont voisines. Remarqué, en fait il n'y a que deux maisons dans la ville. Notre fille a le même âge que toi, notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller voir à l'étage. Ok. Monsieur Voyeur. Oh elle n'est pas là, je vais profiter pour... Oh ça c'est quoi? C'est une Nintendo GameCube. Putain elle est orange la chatte. Bah tiens je vais lui voler son Pokémon. Oh mon dieu. Hein? Qui es-tu? Oh tu es Valkyrie, donc tu as emménagé aujourd'hui? Je m'appelle Flora, enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. Oui, alors ça c'est l'héroïne, hein, on peut en parler. J'ai entendu parler de toi, Valkyrie, par mon papa, le prof Seco. J'espère que tu serais sympa, Valkyrie, et qu'on pourrait devenir amis. D'accord, ok, la grosse pisse. Ouais, mais en même temps, je la comprends, si elle était toute seule dans sa ville avant, ça doit pas être l'éclat. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Valkyrie. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Valkyrie, on se retrouve plus tard, ok? D'accord, ok, y a pas de soucis, je crois que c'est tout. Attends, est-ce que ton horloge est à l'heure? C'est la vraie question. Ton horloge est à l'heure, d'accord. Souci à ce niveau-là. Je me tire. Ça, c'est quoi ça? Oh, on peut faire comme dans... Non, on peut pas faire comme dans Zelda, malheureusement. Cette émission plairait à maman. Je ferais mieux de filer. Oui! Bon, du coup, je rentre chez moi? Je vais pas rentrer chez moi, j'ai même pas vu le mec. Ici. Ici, y'a personne, bien sûr, hein, voilà. Ah, attendez, livre. C'est un livre difficile à lire. Bah putain, mais si t'es con, t'es con. Moi, je peux rien. Si tu sais pas lire, au bout d'un moment, retourne à l'école au lieu de chercher des Pokémon. C'est un livre difficile à lire. Mais putain, mais si tous les livres sont durs à lire. Et c'est là, je vais là. Ok, il essaie même pas de le lire, là. Ça, c'est une chaise. Ça, c'est une plante. C'est un PC utilisé pour la recherche. Mieux vaut éviter de l'abîmer. Oui, effectivement. Du café. D'accord, on s'en fout, c'est très bien, pas de soucis. Casse. Je parle même pas au mec, on s'en fout, de toute façon il dit tout le temps la même chose, je suppose. Oh, une petite fille. Salut, il y a des Pokémon effrayants dehors, je peux entendre leurs cris d'ici. J'aimerais bien les voir, mais je n'ai aucun Pokémon. Tu pourrais aller voir pour moi ce qui se passe? Oui, le souci, c'est que j'ai pas non plus de Pokémon. En plus, j'ai les cheveux blancs comme un putain de vieux de 70 ans. Ah, à l'aide! Oh mon dieu, je me fais courir par un Zigzaton niveau 2. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. D'accord, c'est comme ça qu'on fait notre choix. Sur le pouce. Genre le mec il est en pression, en énorme pression, il doit prendre n'importe quel Pokémon. Bah, je sais pas moi. Arco dans ce cas. Ok. Putain, ok. Un Zigzaton sauvage apparaît. Arco, go! Alors j'ai déjà fait les options, normalement il n'y a pas d'animation de combat parce que c'est trop long, surtout en mode. Surtout dans mon challenge parce que. Putain. On va en avoir des combats si on veut. Si on veut XP, écrase face, oui. Charge, oula, il est pas gentil lui.
Il est pas gentil du tout, Zigzaton. Zigzaton sauvage et KO. Arco a gagné 17 points d'XP. Ok. Ouf. J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Oh. Hé, hey, c'est toi, Valkyrie. Ah, waouh. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo Pokémon, ok? Alors, Valkyrie, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Moi, je ne vois jamais mon père. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. En même temps, si c'était pas le cas, ce serait un peu bizarre. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Ah bah d'accord, ok, j'ai reçu Arco. Merci beaucoup. Si tu veux, tu peux donner un surnom à toi, Arco. Bah oui, il faut l'appeler. Il faut lui donner un nom. Comment on va l'appeler? Vous trouvez pas qu'il a un peu un... Ok, il a un peu une tête de Penny. De Penny. Comment on la va... Vous savez quoi, on va l'appeler Arco. Parce qu'on est genre les personnes les plus originales du monde, je pense. Mais avec des minuscules. Des minuscules, attention. En même temps, si on donnait un... Okay. Si on donnait un nom à tous les Pokémon qu'on avait, ce serait très très compliqué. Allez. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Valkyrie, ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'en penses-tu? J'ai déjà vu. Je l'ai même pécho. Super, ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. Mais elle a 10 ans comme moi, elle peut pas savoir. Et même le vieux, c'est pas un dresseur, c'est juste un prof. Un vieux prof tout pourri. Pourquoi maintenant elle est là? Qu'est-ce que t'as dit? Tu as sauvé le prof Seco, je t'en suis très reconnaissante. De rien. Pas de soucis. Si ça te... Ok. Oh, et toi, t'es qui en fait? Tu dis, tu vas dire quoi? Salut toi, est-ce que tu as déjà des Pokémon à toi? Ouais, j'en ai un. Oh, Flora doit être sur la route 103, ça doit venir de son père. Flora ne tient pas en place non plus. C'est une blague? La route 103? Je suis sûr que c'est super long, 103 c'est très long comme numéro. Très très long, on va commencer par la route 1 comme d'hab. Du coup, ça va être la méga dèche. Bon, je vais voir ma mère du coup. Elle va me dire quelque chose quand même, j'espère. Comment ça va, Valkyrie? Tu as l'air raplapla, tu devrais peut-être te reposer. Ok. Tu vas me donner mes chaussures pour que je cours? A bientôt, mon chou. Comment ça, à bientôt? D'accord, donc, ok. Je lui ai même pas dit que je partais, elle me dit déjà à bientôt. Pas de soucis. Pas de soucis, maman. Je me casse, à plus. Tu m'as saoulé de toute façon. Bon, bah, du coup, j'ai fait les trois maisons, je vais aller là-bas. Et où est la route 103? Ah non, ça va, c'est la route 101. Rosière. C'est nul comme Rosière. Vous vous rendez compte? Et lui, il m'agresse. Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes. Pour attraper des Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher. Ok. Pas de soucis. Et lui, ouais, lui, c'est un dresseur, je suis sûr. Je suis sûr, il a un vieux ratata pourri comme tout le monde. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y a un centre Pokémon à Rosière tout près d'ici. Non, il m'agresse même pas, le mec. Pourquoi tu m'agresses pas? Oh non! Et c'est un Medina. Putain, je me rappelle vraiment plus du nom des Pokémon. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Attaque! Bon bah, on va. Ah, il faut pas oublier quand même. Je faut vraiment pas que j'oublie une challenge parce que je vais aller me fight comme un débile. Mais faut que je fasse gaffe parce que sinon je vais faire trop le cul. Et c'est pas une bonne idée. Ah, est-ce que j'ai des Pokéballs? Si j'ai pas de Pokéball, le challenge ne marche pas, bien entendu. Je n'ai pas de Pokéball. Donc pour l'instant, le challenge ne compte pas. Ce qui est normal. Oh non. Au revoir, Medina. J'ai gagné 23 points d'XP. Allez, on remonte. Pokéball. Non, juste Poké. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi? Quoi? Et franchement, quand t'as 10 ans et que t'es une grosse qui vient de parler comme ça, tu le fais pas. Hein. Faites gaffe, les enfants. C'est une boutique Pokémon, on la reconnaît à son toit bleu. Oui. Nous vendons divers produits dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça comme si c'était une offre promotionnelle. Potion. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Ah, surtout j'en aurais besoin. Une potion s'utilise à tout moment, alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. D'accord, merci beaucoup. Si je veux faire une pause, alors je sauvegarde ma partie. Ok. Là où les choses se font rares. Et là-dedans, il y a qui? Bonjour madame. Eh, quand un combat de Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part au combat le premier. Donc, quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourrait te donner l'avantage. Tant qu'il meurt pas, franchement, ça me va, mais pour l'instant. Eh, attendez, il y a un Nord.
Je viens juste de découvrir les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire, d'accord? D'accord. Je viens de découvrir... ok. Pas de soucis. Mais les cheveux blancs, ça me dérange en fait, pour un, surtout pour un gamin de, je sais pas quel âge, 10 ans peut-être. Peut-être un peu vieux quand même. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Ah, en tout cas, les graphiques old-gen, les graphismes old-gen font plaisir. Vos Pokémon sont en super forme. Par contre, les dialogues n'ont absolument pas changé. Ça fait à présent 35 ans. Non, je sais même pas quel âge a Pokémon. Une bonne quinzaine d'années, si c'est plus. Je pense que... Ouais, je pense qu'une bonne quinzaine d'années, ça doit être quelque chose comme ça. Bienvenue! En quoi puis-je vous aider? Je vais acheter des Pokéballs, madame. Je peux pas? Tu fous de ma gueule? Non, mais non. Quitter. A plus. Du coup, c'est où que je... Hey, je veux attraper mon deuxième Pokémon, madame. Ah, faut que je monte. Route 103, ah. Donc, on va trouver la meuf. On va trouver ma go. Route 103, Rosière par là. Okay. Oh putain, ouais, d'accord. Tu rentres dans une herbe, sinon tu te fais agresser. Mediana niveau 3. Arco, go! Oui. Attaque, écrase face. Boum. Stop des barres. Au début, c'est très. Au début, c'est très stratégique. Très stratégique Pokémon au début. Hein. Allez, balance, écrase face. Là, t'es mort. Waouh, comment je pèse. Waouh, niveau 6. Waouh. Oh, Volvi. Oh oui. Alors ça, c'est tellement fumé comme truc. Elle est là, non? C'est elle que je dois... Putain! C'est pas possible. Mediana. Un Mediana sauvage apparaît. Arco, go! Prêt! Volvi. Oh lolo, c'est cool ça. Alors, c'est pas cool du tout. Mais non, pas Pokémon. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser ça. Non, mais on recommence. Mais non, c'est pas ça. Ah, retour. Sortir. Ok, attaque. Volvi, on continue Volvi. On va voir combien je régène de vie. Ok, je régène de vie. Waouh, je régène 2 points de vie. Peut-être pas si fini. Ah, si, en fait, ça va parce que j'ai mon tapis. Voilà, c'est pas trop gênant quoi. Là t'es mort. Ah merde, par contre là, bouge. J'ai plus masse vie, hein. Faut pas que je meure. Ce serait con. Hey, salut. Voyons, les Pokémon trouvés sur la route 103 comprennent. Oh, salut Valkyrie. Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on a qu'à se faire un petit combat. Je vais te montrer ce que c'est d'être un dresseur. Quoi? Mais non, mais ils ont pas... déjà qu'il a pas de vie, mon... Putain, t'es sérieuse. Ah ah. Poussifeu. Ah ouais, d'accord, Pokémon feu en plus. Éclate. Incert sidéral, je dois la mer sévère. Ouais, c'est pas très efficace, tu m'étonnes. Je vais me faire victimiser, je vais vraiment me faire victimiser. Bah, la série, elle est arrivée à s'arrêter. Non, j'ai une potion, et eh oui, la potion qu'elle m'a donnée avant, et eh oui, et eh oui, je viens de sauver la série, je viens de sauver quelques épisodes. Mais t'es sérieux avec ces coups critiques, c'est dégueulasse. Allez, votre victime, moi j'en bats les couilles. Oh là là, si je me prends un coup critique, je suis dans la merde. Oulala, un coup critique, c'est le décès. Ah. Ah. Ouf. Arco a gagné 69 points d'XP. Arco monte au niveau 7. Ouais. Bravo Arco. Waouh, c'était génial, Valkyrie, tu as beaucoup de talent. J'ai eu très chaud au cul surtout. La série allait s'arrêter au bout d'un épisode. Maintenant, je pourrais savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et que t'aimes déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Et les Pokéballs, comment je fais moi? Putain, elle est sérieuse. Non, c'est pas vrai. On retourne à la maison. Oula, l'épisode, ça doit faire 20 minutes. Ça doit faire 20 minutes que l'épisode a commencé. Il est temps de se dire au revoir pour un deuxième épisode très bientôt. A plus tout le monde.